que nous attendons essentiellement de France Compétences, c'est qu'on soit reconnu dans le travail qu'on fait et qu'on soit écouté, bien évidemment, qu'on ne soit pas une chambre d'enregistrement. Et si c'est simplement pour faire acte de présence, très rapidement, les partenaires sociaux feront valoir leur position par rapport à ceci. On espère que ça ne sera pas le cas. France Compétences doit se mettre en place et on doit aller dans cette challenge qui est énorme sur la formation professionnelle pour nos concitoyens, et la CFTCI prendra toute sa part. Nous avons énormément œuvré pour que les apprentis aient les mêmes droits que les étudiants, par exemple avec Erasmus Pro, où on a travaillé avec le député européen Jean Arthuis. Nous avons également donc travaillé énormément pour que les freins à l'apprentissage soient levés. L'apprentissage demain et le fait qu'on remette ces métiers de manuel vraiment en tant que métier d'excellence est quelque chose d'extraordinaire, et c'est vraiment un pari qu'il faut là aussi encore une fois gagner, parce que l'apprentissage est aujourd'hui une formation extraordinaire, une possibilité pour nos jeunes d'avoir un emploi demain dans des métiers d'avenir.